Elder Mathias, bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur des systèmes d'information d'HEC Paris. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots HEC? C'est une école de commerce classée régulièrement dans le top 3 des meilleures business schools internationales et européennes. HEC Paris représente environ 5 000 étudiants en formation diplômante, 8 000 participants en formation continue, 700 collaborateurs, 150 enseignants-chercheurs et un budget annuel de l'ordre de 125 millions d'euros. Depuis quand travaillez-vous avec Blackboard? Depuis presque un an maintenant, donc c'est la solution LMS, donc Learning Management System, qui a été retenue. Pourquoi avez-vous choisi Blackboard? Lorsque nous nous sommes posé la question de la remise en cause de la solution LMS que nous utilisions, qui était un logiciel homemade, donc un logiciel spécifique, nous avons cherché à nous tourner vers les grands standards du monde du LMS et Blackboard s'est tout naturellement imposé par sa renommée, sa réputation et notamment dans le monde anglo-saxon. Comment s'est déroulé le processus de choix? Le processus de choix a fait appel donc à la consultation des professeurs qui sont décisionnaires fort logiquement dans ce type d'applicatif. Donc nous avons d'abord fait un petit audit du marché et des offres existantes sur le marché et puis nous avons présenté ces différentes offres aux professeurs pour qu'ils nous fassent le retour sur la solution qui leur semblait la plus pertinente dans notre contexte. Quels sont les objectifs de ce projet? Le premier, c'est bien entendu d'accompagner, comme je disais tout à l'heure, la digitalisation de nos métiers. Le deuxième, c'est de s'appuyer sur une plateforme connue et reconnue du monde des LMS, d'accord? Et le troisième, c'est progressivement d'exploiter des fonctionnalités toujours plus évoluées de la digitalisation de la pédagogie et certaines fonctionnalités comme celles que je citais, comme les QCM en ligne, la collaboration entre étudiants, le partage dynamique de documents et la possibilité de modifier à plusieurs des documents. Voilà, ce sont toutes ces fonctionnalités que nous souhaitons à terme proposer à nos professeurs et à nos étudiants. En quoi cette implémentation s'inscrit-elle dans la stratégie globale d'HEC Paris? Peter Todd, notre nouveau directeur depuis presque un an maintenant, a clairement identifié la transformation digitale comme un des axes majeurs de la stratégie d'HEC Paris et un des axes qui va permettre d'asseoir en fait sa réputation mais aussi d'accroître son développement. Donc il semblait tout légitime de pouvoir s'appuyer au moins sur un LMS de renommée comme Blackboard. Quelle prochaine étape envisagez-vous? Nous nous orientons d'ores et déjà vers des fonctionnalités de type collaborative, c'est-à-dire la possibilité offerte aux étudiants de travailler sur des projets de groupe, par exemple, sur ce type de plateforme. Nous nous orientons aussi vers de la mobilité, c'est aujourd'hui un usage incontournable. Donc demain, il faudra être capable de proposer de la consultation de cours sur des équipements mobiles type smartphone. Elder Mathias, merci beaucoup et bonne continuation. Merci, à bientôt. Thank you.